Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous venons parler de causes qui ont un rapport avec la déportation, mais la déportation surtout aux communautés haïtiennes. Pas oublier si vous passez bon, ici la première fois et il y a un bouton subscribe en bas avant d'aller, puis vous pouvez être connecté avec nous. En fait, la déportation, nous parlons là, c'est surtout les gens qui ont traversé les frontières, ça qui ont sorti Brésil, ça qui ont sorti Chili, ça qui ont sorti Mexique, qui ont besoin d'entrer par bon, ici. En fait, ça nous veut dire, c'est que l'administration Biden, non, dans le moment où je parle avec vous, là, il est toujours à continuer, en fait, à utiliser une politique qui était là avant. Ça nous relève Title 82. D'après la politique, ça, dès que vous parlez de frontières, vous n'avez pas même temps d'eau, même vous êtes menacé. Même lorsqu'on est menacé, il y a des poteaux. Sous base, qui ça, sous base que on Title 42, sous ça, il y a une liste public health code. C'est sous base du coronavirus là. Donc, yo immédiatement tournant vos la caille, ok? Son façon d'après politique ça pour capable mettre frein avec coronavirus là. On dit auparavant nous connais immigrant ou t'as une opportunité si yo t'as une raison valable côté que yo peut retourner dans pays yo. Mais dans moment ça pas possible suivant ta tel candidat. Voilà, seul monde qui traverse ces timoun qui pas accompagné. Monsieur mon parent qui avec Timon tout yo ba au chance pour moment. Donc il y a plusieurs milliers de monde qui voyez tourner back sur frontière suivant politique ça. Et là-dedans yo gagne 900 haïtiens que ici yo nous connaît yo voyez en Haïti dans mois de février. N'a pas expliqué bien c'est monde qui traverse frontière de pour faire traverser, c'est ça me dit. Et maintenant comprendre bien situation ça. Situation qui gagne en Haïti, nous connaissons, ou même Haïti, on compte ça qui passé, pays à chaud, manifestation, mon cap mandé pour venir l'aller. Li mette yon pression immense sous deux nouvelles administrations Biden. Non? Et par rapport à menace qui gagne sous frontière là, il a parlé de réforme et autres, c'est ça qu'on connaît. Dans un rapport qui était sorti dans le mois de février, nous dans le mois de mars là, en réunion qui était organisée par officiel de l'administration Biden, ils ont discuté des situations Haïti. Attendez bien ça, Nabzoula. Ils ont discuté de ce qui a passé dans le pays hein, par rapport avec Title 42 à compte haïtien sous frontière, parce qu'il a appliqué pour tout le monde, mais particulièrement pour haïtien. Et c'est vrai que l'administration a supplié pour qu'on vienne, puisque ils disent qu'ils continuent à appliquer la loi. Et nous rappelons lundi passé là, et Alejandro Mayorkas, ministre au niveau du département de la sécurité, lui redit ça encore pour l'expliquer que mon yo, tout le monde qui vient y a retourné suivant loi ça. Mais pas de parole, le département de la sécurité dit que situation ça qui gagne en Haïti est capable de changer son bagage qui son bagage temporaire, il va changer pour capable vite restaurer sa nouvelle asile sous frontière. Et comme Zinda dit, présentement la frontière la close par gain asile. Et ça le dit, notamment pour moun qui pa gen ti moun, qui pa accompagné. On dit que lorsque vous retournez moun sa yo pour en pile autorité, dit son bagage qui difficile, puisque effectivement, quand vous avez moun sa yo qui a des menaces, qui a des persécutions politiques, quand vous avez moun sa yo qui pa ka retourner parce que le pays est instable. Et il dit bah ça li effectivement vrai pour pays qui gagne qui a instabilité violence économie en problème et l'autre challenge encore particulièrement il parlait de cas Haïti. Il citait le cas de Marie qui a 38 ans et qui traverse les frontières là avec Marie li timouni et yo te voye yo back en Haïti et il dit en fait lui-même qu'a expliqué yo pas de balle opportunité pour l'expliquer que pour qui ça le devenir si il t'a cherché protection et après deux semaines il dit yo voye le bac là by famille en Haïti. OK, et actuellement il dit que il n'a caché parce que il a cherché et il dit que yo capable perdre la ville, il espérait que politique ça a changé. OK, mais dans tout ça Abdoullah, c'est pour qui ça, c'est que un rapport que média rejoignent. Et en réponse à une réunion qui était faite dans l'ambassade de Port-au-Prince, un briefing, yo briefé moun yo, autorité yo, pour dire situation
détériorée en Haïti. Pas gain ça n'ta rele le règne de la loi dans pays ya. Son pays qui perd du contrôle, c'est ça veut dire. Yo parler de ça ou même avec me connaît de gang violence qu'a fait gang yo qu'a fait des faits gens ou voulez. Yo parler de violation des droits humains dans pays ya. Maintenant et à la lumière du développement ça yo département de sécurité USCIS Citizenship Immigration yo dit tendez bien et c'est là pour comprendre yo dit yo pral réévaluer situation pour que effectivement yo permettre haïtien ça yo ça veut dire yo pral faire une situation particulière seulement pour haïtien côté que yo bien dit yo pral réévaluer justement pour être capable permettre haïtien yo traverser frontière pour que yo pas appliquer title 42 a comme d'avoir nous comprendre ça au dit là yo dit à la lumière de situation de gang violence et violation des droits humains tout développement ça yo DHS US Citizen Immigration Service yo dit yo pral réévaluer effectivement dans causer c'est tout monde y a expel. Mais haïtien yo il me semble que yo pral faire des considérations pour être kakembe yo et parce que yo dit basé sous analyse ça les conditions qui gagne en Haïti yo pensait que haïtien qui yo retiré qui yo voyait tourner la caillou yo pral faire face justement avec des situations côté que yo ka perdu la vie même lorsque pa ta gagne bagaille bon ou voyons monde dans pays d'Haïti dans moment là côté que yo capable justement vraiment faire face avec danger c'est comme quoi yo voyez une véritable menace document expliquer que condition la caillou dans pays ya. OK côté que yo parler de département d'état donc sur website et ambassade là après ou pas voyager pas mettre pio en Haïti c'est recommandation ça yo parce que yo parler de crime kidnapping et c'est ça qui bon les alliés son monde pas qu'est-ce que monde pas mettre dans pied ça yo dit travel advert explain que kidnapping son bagage qui bon ça vrai nous constater pas bon jour passé ou pas tendez yo prend c'est des professionnels qui apprend des crimes de violents et vol en fait ça venir monnaie courant c'est ça la vente en fait c'est plus bon produit que nous gain dans moment la vente à travers la Caraïbe nous venir yo pour comprendre une référence en matière de vol et de kidnapping et il dit que nous pas même gain assez de ressources document DHS yo cité et crime qui était passé dans mois de juillet côté gouvernement a utilisé gang pour faire répression sous opposition situation a vinn détériorer dans dernier mois ça on a parlé là de rapport qui sorti au niveau de l'ambassade des États-Unis en Haïti le rapporté qui Jean président haïtien Jovenel Moïse a dirigé pour compte lui sans pas gain un contre-pouvoir ni législatif ni judiciaire depuis janvier 2020. Il dit gain inquiétude que Jovenel Moïse de jour en jour vini yon pouvoir autoritaire parce que li basé sous executive order sous décret pour le capable justement accompli agenda li. Entre-temps, levé campé manifestation et bien un peu partout dans pays ya gouvernement yo dit qu'a utilisé la violence contre démonstration d'après rapport ça rapport a continuer pour le détailler des séries de bagarres qui datent de très longtemps dans pays d'Haïti et violence qui liée à économie insécurité et caille qui pas gagner pas gagner accès à la santé de l'eau manger c'est un rapport détaillé que bouillon USCIS créé et qui ont été créé on dit un rapport détaillé tout qui était basé sur base leur t'a expliqué considération pour TPS suivant un document séparé qui rejoint et en fait yo cite sur base ça tout pour renouveler et TPS pour monde pour monter un pays instable et suivant rapport ça bien entendu c'est sous lui oui et pour capable toujours continuer renouveler pour TPS en attendant que rejoindre en attendant que ba résidence. Il dit que Haïti cap fait face avec une crise énorme et à cause de tendance autoritaire chaque jour plus de Jovenel Moïse combiné avec une instabilité politique document ça qui fait un document qui produit par immigrant avocat dans semaine qui s'est passée
y a cherché stopper, attendez bien, Biden pour lui pas retirer haïtien pour pas voyer. On a parlé spécifiquement, comprenez bien, des haïtiens qui se font tirer. Ça t'a voulu dire qui ça? Ça t'a voulu dire, je ne comprends pas là, c'est que et éventuellement pral gen yon aspect particulier ki yo capable faire pour haïtien yo pour que leur rive sous frontière là. Ça veut dire tout ça pas bon pour yon li bon pour l'autre. Instabilité en Haïti a li pral créer une opportunité tout pile haïtien ça qui sous frontière, parce que moment parle avec ou la mon courant bon bon haïtien qui kembe ki fait base au Mexique là, nous pas comme continuer comme ça. Bon bon haïtien au Mexique là captain bon pas haïtien seulement bon bon moun nan moment là qui au Mexique captain qui l'est, il a ouvri porte qui l'est a commencé pour moi. C'est ça ça pour comprendre dans moment on a parlé là. OK? Mais attention, nous songe j'ai été font bagarre comme ça pour haïtien dans le Brésil, mais mon tellement venu pas paquet et puis il dit bloquer. En fait, il me semble que c'est ça on va le faire là, mais ça va arriver dans moment là tout le monde connaît yon dit l'autre une idole et puis il dit ay a quitté haïtien entre pour tander attendez à bloquer. Bon, en fait, c'est ça qu'on va le faire là. OK? So Gerlin Joseph qui c'est directeur exécutif de Haitian Bridge Alliance. Il dit, et puis faut haïtien au Mexique, haïtien qui sont en frontière mexicaine, qui t'a essayé d'entrer par l'Ouest, ok, yo retourner au bac, ok. Donc voilà, Jean et causé ailleurs, et dans le moment que n'a pas parlé là, et donc ça t'avait dit en clair, nous voulons dire que c'est que haïtien qui a cherché traverser frontières et capable dans les jours à venir exempt de Title 42. Title 42 que Donald Trump a créé et qui en dit qui bon bye la bien qui gon aspect positif entre-temps puisque les consa Biden pas capable supporter frontières là tellement t'a gain monde puisque tout le monde dit Donald Trump pas là. Yo varie, c'est parce que tout simplement Title 42 à un moment ça là qui fait monsieur Capran yon pause pour nous comprendre là n'a pas le bien faut comprendre de qui groupe on n'a parlé de groupe monde justement captain pour yo traverser frontière. Donc voilà, on te pense l'important pour nous pour te update ça pour bien que ça a un rapport à immigration son bagage a fait pour te quitter haïtien de manière particulière traverser, mais le aspect politique tout ça montre que gien des rapports qu'a produit. Ça fait au dit gain deux visages lui de l'ambassade. Ça fait au dit pas gain ami éternel parce que gain pile moun pas compte qui j'ai prendre nouvelle là. Donc hier gon message qui dit c'est de la responsabilité. Moun yo quand t'a dit yo pas même libre à la bien. Yo dit bien c'est responsabilité gouvernement pour faire élection. Bon, c'est gain moun qui dit lui que eh bien l'ambassade là dit il y a corps Jovenel. Hier. Ça au dit ça. C'est responsabilité pour créer condition et pas quoi faire pour. Il dit faut dégager. Tout le monde va attendre que, parce que ou dit qu'on est président, donc il faudrait que ou arrive à contrôler la situation. C'est ça, ou doute tout simplement. Mais en tout temps, on après ça appelé là, il va nous dire non, c'est des rapports qui fait qui vont montrer les gens situation hein, complexe. Donc, on pas qu'à prendre ça comme un actif pour Jovenel, les rapports ça a venu. Ok? Donc voilà, nous devons partager l'info avec vous, pas oublier, nous-mêmes nous toujours analyser des points importants qui dominent l'actualité qui concernait haïtien, mais tout ça qui a passé par Brexit aux États-Unis. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.